Start to play. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur Fox. Donc cette fois-ci on affronte un joueur 3ème Dan et on a noir. Ok. Donc on a 5 minutes chacun et 3 fois 30 secondes. On va jouer Oshikomoku. Et lui, Oshioshi. Ok. On va se faire un petit Shimari. Comme ceci par exemple. Et lui, il va approcher vers le coin, ou non, ici, ok. Là, son idée, c'est, avec ce Shimari, on aimerait bien se développer dans cette direction, donc il joue un coup par ici, pour empêcher cette direction. Avec le Go moderne, on fait moins ce genre de coup, parce que c'est vraiment coin bord centre, mais c'est pas un mauvais coup en soi. C'est pas un mauvais coup. J'hésite, soit aller par là, parce que s'il vient lui-même par ici, ça menace d'aller dans le coin et ça développe vraiment pas mal son bord. Ou alors, venir prendre un coin directement. On va prendre le coin. On va prendre le coin. Il vient par ici, très bien, il veut jouer tout ça, je comprends. Et il fait le... Le quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va prendre la pierre, j'imagine. Si on fait Atari, qui vient là? On prend la pierre, il fait contre-atari, on capture, et est-ce qu'il a le chicho? A priori non, il pourra jouer un coup par là, on capture, mais c'est très gros. On va faire ça, hein. Atari, enfin, prise, on capture, pardon. On va relire cet escalier, mais normalement on a le chichot. Tac, 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 tac. Je vois pas dans quel monde on l'a pas. Oui, on l'a. Je préfère vérifier quand même. Il va jouer là. Non, ici. Très bien. Très bien, très bien. Bon. C'est Fox, hein. C'est du combat directement. On le savait. On le savait. Ce coup-là a l'air assez gros, il donne pas mal de liberté. Si je tournais ici, j'avais 3 libertés, là j'en ai 4. Je suis assez content. Ici, il descend en B4, parce que si je ne réponds pas, par exemple, en B3, il pourrait venir jusqu'en B2, et si je descends, connecte au-dessous, et en fait, je n'ai qu'un œil pour l'instant en D2. Donc ça a l'air assez chiant. On va descendre. Et il s'étend. Et qu'est-ce qu'on fait? Je vais m'étendre également. Il va mettre la pression, j'imagine. Ou alors il va s'étendre de ce côté. Non, il veut faire ça pour être tranquille ici et ensuite s'étendre vers là. Ok. Dans ce cas-là, je me demande si je viens pas par ici et s'il force, on peut revenir là. S'il pousse, tac, tac, qu'il coupe. On va venir par là maintenant. S'il force, on peut partir. Ok. Et si je viens ici... On a le temps de venir ici. Il va reculer et nous on va connecter. Voilà. Il est. Ok, je suis pas frais, mais on n'est pas frais tous les deux en même temps. Et là on va appuyer sur sa petite faiblesse là. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Fatar ici, je connecte, il connecte. C'est pas beau pour lui, mais en soi il a droit. Donc on va juste continuer là. Continuer et l'écraser un peu. Ah peut-être que je pouvais aller là. Ouais, peut-être que je pouvais aller là. Dommage. On va faire année. Il hésite à couper. S'il coupe, est-ce que je peux couper moi-même? Ouf. Ouf. Pouf.
On va connecter ici. On prend la force sur cette zone. Ici, il ne peut pas aller là parce que j'ai ça, j'ai l'impression. Peut-être que si, tac, tac, il fuit. Et nous, si on fait ça, il protège celle-là. Peut-être qu'on a envie de venir là maintenant. Il protège. Et... pousse une fois ici, il va aller là. Comment est-ce qu'on joue dans cette direction? Comme ça. Faut essayer d'avoir un gain, sinon c'est chiant. Il va taper par ici. Hein. Non, pas encore. Ok. Il coupe. Très bien. La coupe ne marche pas très bien pour le moment. Mais... c'est pour faire ça. Ça, je prends. Il fait ça. C'est pas incroyable. Normalement, on fait ça si on peut gagner l'Atari en K5 sur la pierre en K4, normalement. Là, c'est un peu plus compliqué. Et il vient ici. On vient par là. On menace de couper tout en augmentant un peu l'espace de ce truc. Et il fait angle vide. Très bien. Peut-être que je vais monter. Avec cette montée, quand il vient là, je me demande si j'ai pas le droit d'aller là directement après. Ça a l'air pas si mal. Parce que quand il va là, on bloque. Ouais. Et ça continue à mettre la pression sur ce groupe. Faut pas oublier ce groupe-là. Yoyomi now starts. Très bien. On va juste reculer. Solidement. On a pas mal de développé par ici. Si on obtient Q5 par exemple, ça fait beaucoup de points dans la zone. Ok, il y vient directement, il ne veut pas. Il ne veut pas nous laisser ça. Dans ce cas-là. Ah, on préfère enfermer en général. Faire ça. Q3. Peut-être Q3. Non, P3 ça a l'air mieux, ouais. Et nous on fait. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Comme on est très solide ici, est-ce qu'on a le droit de faire Atari? Tac, il descend. On vient là. S'il fait cet Atari, puis cet Atari, non, on prend les pierres. S'il fait cet Atari... 9, 8, 7, non, s'il fuit là, 6, on peut 5, connecter. 4, 3, 2. J'ai l'impression qu'on a le droit de faire ça. Tac, tac. Ouais, on a le droit de faire ça. On connecte. D'ailleurs, je vais vous mettre les derniers coups joués. Ce sera un peu plus simple, peut-être. Et il vient par ici. Et nous, on revient... là, ça devient urgent de revenir. Hop. Il monte. Ou il saute ici, peut-être Q8. Non, il se prend. Je l'ai dit d'abord, mais c'est vrai, hein, descendre une fois, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Et il saute. Ok, ça c'est pas très solide par contre, puisque ça les a fait blazer là. D'ailleurs, ça me donne envie de prendre l'extension directement et de dire attention, t'as des points faibles. En R7. Peut-être mettre juste le dernier coup, sinon c'est assez illisible. En début de partie, pourquoi pas les 10 derniers coups, mais là. Ouais, bah du coup, il protège, mais c'est un peu lent. Alors que s'il avait joué Q8, il aurait pas eu besoin, il aurait pu sauter par exemple, quelque chose du genre. Là, c'est un petit peu lent. Mais on gagne Q11 gratuit. Ça donne envie de venir par là. Si je vais ici, c'est vraiment très plat. Par ici, il menace de développer quelque chose de très intéressant. Si je joue ici, il vient là tous les jours. Ou vers là, quelque chose du genre. 8, 7, 6, on va quand même le faire. Ou également rentrer par là, un jour ou l'autre. Ouais, il vient direct. Solide, ici. Si on fait ça, il vient là. Atari. On va jouer solide. Je pense que... est-ce que c'est co ce truc? Ouais, c'est co. Ça revient à une séquence de co où il fait ça, tac, tac, et il vient là. Ça
Sauf que comme on a deux pierres autour, est-ce que j'ai pas droit de faire ça? Tac, tac. Oui, mais si je protège, ils jouent là. Ils vivent. Non, bon, il faut faire atterrir. Écho. On capture. Je vais faire un truc par là. Ça semble quand même plus gros pour moi de prendre ça, hein, comme je suis vivant de ce côté. Donc s'il fait ça, c'est... une erreur. Je regarde si j'ai vraiment des menaces, moi. On peut aller par là, mais bon. Pas sûr qu'il réponde. En fait, je pense pas que j'ai de menaces auxquelles il répondrait. 9, 8, donc je pense 7, ça, il vient là, 6, et je vais par là. 5, ça a l'air suffisant, non 4, 3, on a beaucoup de points par ici. Hop, et on vient ici. Oula. Ça sert pas mal. Attention à cette pierre. Ici ou là? Si on vient ici, il descend là. On saute. On attaque cette pierre, ouais. Si on vient ici, Atari, tac. Il monte. On saute, c'est quand même. Ouais, les deux sont bien. Il monte. Ou il connecte. Ouais, peut-être qu'il aimerait faire ça. Parce que là, on saute. Non, il vient là. Très bien. Dans ce cas-là... Ah, ici, hein. Donc il va mettre la pression sur cette pierre, il va sauter ou mettre la pression ici. Il kick. Il me renforce. D'accord. Il me renforce. Et il veut vivre sur place. Si je fais ça, il vient ici, prend la pierre, il fait atterrir, ce qu'il aurait dû faire en haut. Je sais pas s'il pouvait tout de suite, mais... Comme ça, il gagne un peu de force en sacrifiant. Nous... On va plutôt aller là, parce qu'il n'est pas encore vivant ici. Bien par là. Si ici on est là. C'était peut-être mieux cette descente là. Est-ce que j'ai le droit d'aller là? Tac, Atari. Ouais, si j'ai le droit d'aller là. Hop. S'il pousse dans cette direction pour fuir, en fait, on développe quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Il faut pas oublier que ce groupe-là n'est toujours pas vivant. Donc un jour, tac, tac. On vient par là. Il y a des petites choses à voir. Bon, on sort. On ne va pas lui laisser Spunky, hein, c'est trop fort. La nez est peut-être dangereux pour ça. Peut-être juste faire un hobby. Quelquefois. Oh, on développe pas mal. Lui, il ne développe pas. Et on va au bout d'un moment sauter ici, j'imagine. Encore une fois. Tant qu'on peut menacer de faire ça, par exemple. Ouais. Et là, s'il fait ça, bon, on est tranquille. On va plutôt jouer par ici. Ça, ça donne envie. Parce que sa menace, elle est là. Il vient ici. Tac, tac, tac. Mais, s'il vient ici, on pourrait aller là. 9, s'il sort, 8, ouais, 7. Ça a l'air d'aller, hein, de faire ça. Ça a l'air d'aller en allant ici. Hop. On développe tranquillement. Ok. Atari. Et... Si on fait ça, il a quand même ça, puis ça, c'est chiant. Si on descend, bon. Atari, Atari. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ouais, on va faire ça, même si l'aspect plat, ça va. Il va y venir direct, hein, je pense. Ah non, mauvaise jungle. Protéger ici. Ouais, ici, c'est pas mal de réduire. Il vient réduire. Il fait Atari. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux le coup? On peut faire Atari ici. C'est un peu dangereux ce qu'il fait. Parce qu'il est attaqué ici. Il faut qu'il protège.
à venir par là. Il y a une faiblesse en M8. Il va faire Atari, puis Atari. Puis, je sais pas. Si je viens là. Capture. Atari, tac, on peut passer au-dessous. On vient là d'abord, peut-être quand même. On connecte. Ah là, s'il me donne tout, c'est un peu dommage. Il vient par là, on va venir ici, ce qui me laisse faire Atari. On monte là. Ou peut-être qu'on peut venir là tout simplement. Yoyomi now starts. Peut-être qu'on peut venir là tout simplement. Et s'il vient ici, on vient là. Tac. Il n'y a pas de coup, parce que c'est double Atari. Il n'y a pas de coup. Ouais, là, ça commence à faire beaucoup trop de points. Atari, très bien. On protège, on n'a pas envie qu'il vive ici. Tac. On va capturer. Il pousse ici, très bien. S'il fait Atari, on vient ici. Comme ça, cette pierre capturée, c'est un faux œil. Voilà, on a... On n'a pas besoin de rajouter un coup. Ici. On est déjà vivant grâce à ces captures. Là, peut-être rajouter un coup. Mais surtout par ici, j'imagine. En plus, par ici, rajouter un coup. 9, 8. Menace sa survie. Ah bah non, mais non. Ah, j'ai capturé ces deux pierres. Je suis toujours au statut du début, moi. Je suis toujours à la situation du début. Ouais. On va venir par là. Ah, j'avais zappé ça. J'avais zappé. On va venir par ici. Parce que là, c'est plus dangereux pour moi. Il faudrait capturer ça. Il répond là. Ou alors on vient ici. Ouais, ça c'est gros. S12. 7. Ouais, il faut régler un premier problème, ça. Parce qu'on a ce problème et celui-là. Bon, si on vit ici. Ça devrait aller. Il coupe là, c'est pas le plus important parce que là on est déjà vivant. Donc là ce qu'il aurait dû faire c'est essayer d'empêcher deux yeux ici. Si on vient ici, la seule façon d'empêcher deux yeux, parce que s'il pousse là, on va là, donc c'est d'aller ici. Dans ce cas on pousse là, il vient là. On pousse là. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va plutôt venir par là en fait. Ça, s'il veut couper, on vient par là. S'il veut l'empêcher l'œil, on vient ici. S'il coupe, ben, on peut faire Atari. Donc ça a l'air d'aller pour les connexions ou la vie. Ça a l'air mi-aï. Et du coup, il abandonne. Ouais. Ok. Cool. Cool, cool, cool. Bon. C'est vrai que sur ce serveur, c'est qu'il n'y a pas de bonne partie. Merci pour la partie. Donc c'était contre un joueur 3 Dan, c'est bien. Donc, on a repris 3 Dan tranquillement. Donc à voir jusqu'où on peut monter, on était monté jusqu'à 5 Dan, il me semble. On avait touché le 6 Dan, mais on est monté, on était redescendu direct, la réalité, quoi. Parce que bon, ils sont trop forts pour nous. Mais ouais, je pense qu'on est 4-5 Dan, quoi. Donc on va essayer de remonter ça. Si vous avez aimé la partie, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Merci. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous et à jeudi. Allez, salut!